à droite, à droite. Oh, 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 oh. Mais t'es fou. Mais t'es fou. À droite. Oui, j'y vais. Il est malade, je t'ai brûlé. À droite. Il est malade, je t'ai brûlé. Il est malade, mais arrête, ça y est, je me suis fait dessus. Restez connectés à cette vidéo, on va vous en faire voir de toutes les couleurs. Chaud. Alors papy, toujours des problèmes de prostate? Et je préfère quand même que t'ailles aux toilettes que de faire dans la voiture, c'est quand même gênant quand même. Ah, t'es dur. Cette chaleur, ça s'est quand même. Mais ouais, on a bu quand même 2 litres d'eau avant de partir. On n'arrête pas de boire. Bon, en fait, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il s'est arrêté quand même 3 fois avant moi quand même. Non, oui, mais... pour le paysage, pour le besoin du vlog. C'est ce qu'il dit, mais il s'est caché derrière les arbres. Pour donc, toi, à mon avis, cher auditeur, pour toi, je me suis arrêté. Allez, va faire pipi, là. Oui. Hein. Quoi? Michel. Mais quoi? Il faut que tu vois ça. Si tu fais tomber ton appareil photo dans les toilettes, alors là, mon Dieu, l'appareil photo, il descend 300 mètres, là. Comment ça? C'est monstrueux, viens voir, quoi, c'est extraordinaire. Ça descend jusqu'en bas ou quoi? Regarde les toilettes. Oh non. Mais si, regarde. Oh là. Regarde. Oh, il y a de l'écho. Ça descend à 300 mètres, là. Oh la vache. Oh. Oh. L'année dernière, il y a un type qui est tombé, on l'a jamais retrouvé. Bon, c'est pas l'endroit le plus glamour pour filmer, quand même. Hein. Ça marche pas. Ah oui. Attends, je vais t'aider. Ah, merci Michel. En fait, il faut être à deux pour se laver les mains. Quoi. Oui, ou alors tu mets le pied. Ah, essaye pour voir. T'es souple? Attends, on va essayer. Vas-y. Normalement, quand on se lave les mains ici, en fait... Aïe! Je me suis fait... Il faut... Oh, mais il est souple, papy. Et puis... Il va avoir mal au dos toute la soirée encore. Il va... On est parti pour 400 bornes, Las Vegas maintenant. Ah ouais. Donc on a été manger à Flagstaff. On y a fait le plein parce que là on sait pas, comme on connaît pas la route, vaut mieux partir avec le plein. Et il dort déjà là. Ah, c'est bon. Je suis à 85 miles, donc ouais. 130 km/h. Ouais. Il y a un poids lourd derrière, je pense que c'est un Kenworth. Il est blanc, il va plus vite. Mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais attends, Michel ça... s'est fait doubler en Ford Mustang par un camion. Je suis à 130 km/h, quoi. Attends, il arrive. Mais c'est un grand malade. Et voilà, il est là.
C'est pas possible. C'est un truc de fou. Ça, c'est des gros camions. Attends, regarde, je m'en pars. Filme le compteur. Filme le compteur. Je mens pas. C'est un truc de fou. Ça fait un bout de temps qu'on fait des vlogs ensemble. Ouais. Tu fais avec moi mon vlog. Oui. Et ça fait un bout de temps qu'on peut peut-être penser que tu es un personnage secondaire dans mes vlogs. Ben, je suis totalement secondaire. Non, non, oh, non. C'est... Je tenais dans ce vlog-ci mettre les choses un peu au point. On leur dit tout. Ouais, on leur dit. On leur dit tout. On leur dit tout. On fait notre coming out. Ouais, on fait notre coming out. Et oui, on s'est rencontré la première fois à l'Association Française des Conférenciers Professionnels. Et puis on s'est retrouvé l'année dernière à la Convention des Conférenciers. Et on s'est lié d'amitié à ce moment-là. On a commencé à faire des premières vidéos à Washington. Je lui ai dit l'année dernière, eh ben écoute, t'es tout seul, je le trouvais tout malheureux là dans son coin. Viens faire des vidéos avec moi. Et puis ensuite, on a commencé à développer des conférences ensemble. Et on est devenus amis. Voilà. Pourquoi on est devenus amis? C'est parce qu'on a ce point commun. C'est qu'on ne se complique pas la vie, on se simplifie la vie. On se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux. Et ouais. C'est justement ça que je voulais un petit peu rétablir dans ce vlog. C'est qu'à force de ne pas se prendre au sérieux, vous pourriez penser que Guy, c'est un petit comique. Alors oui, c'est pareil que moi, c'est juste qu'on ne se prend pas au sérieux. Mais quand on travaille, on est absolument sérieux. Ouais. Et je voulais juste vous dire combien Guy est un homme sérieux dans ce qu'il fait. Guy a été PDG de 5 supermarché quand même. Ouais. Sans lui, ces vidéos ne seraient pas aussi amusantes et n'auraient pas cette dynamique que l'on a aujourd'hui. Quand il donne des conférences, il y a des messages extrêmement pertinents. C'est pas pour rien qu'il a des standing ovations. Non, mais je voulais te dire aussi, en profiter pour te dire combien je suis content de te connaître et combien je suis content de t'avoir comme ami, de vivre tout ça avec toi parce qu'on vit des choses extraordinaires. Quand on est passionné par quelque chose et qu'on le fait en s'amusant, on le fait dans la bonne humeur et qu'on cherche tous les jours un nouveau gag, on cherche tous les jours un truc rigolo, et parce qu'on veut vous faire rire, parce qu'on veut vous amuser. On fait ça aussi pour apporter quelque chose au monde, et vous faites partie de ce monde, et merci à vous aussi de regarder ces vlogs, de regarder mes vidéos, de m'encourager, de m'envoyer autant de messages, et je vous encourage aussi dans la description d'aller voir ce que fait Guy. Posez-lui vos questions, que vous soyez entrepreneur ou pas, parce que avant d'être entrepreneur, avant d'être professionnel, on est aussi avant tout des êtres humains. Allez, on va à l'hôtel. Ah oui, oui, on va à l'hôtel. Las Vegas, here we come. Las Vegas. The sun lay so brightly up in the summer sky. On a beau s'y attendre, Las Vegas, c'est vraiment, mais alors, 10 fois plus que ce qu'on voit à la télévision. Quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que les hôtels ici sont très très bon marché. Tout simplement parce que l'économie tourne ici autour des casinos. Et bien entendu, si vous allez dans un hôtel pas cher, bien vous irez probablement dans le casino de cet hôtel-là dépenser beaucoup d'argent. On a vu des hôtels même à 30 dollars, 25 euros. Des grands hôtels 4 étoiles à une cinquantaine d'euros, enfin c'est un truc de fou. Feeling the sunshine once again, I move to the horizon. Feeling the sunshine once again. C'est nul ? Ça c'est pourri de chez pourri. Hein. Ah bon ? Plus pourri, j'ai pas vu encore. Le flamingo, c'est à chier. C'est vraiment, c'est pour eux, c'est vrai que pour Las Vegas, c'est pas terrible. Mais, non, mais c'est où les lumières? Y'a Guy, il est fâché. Il est fâché. Non. Je l'ai jamais vu comme ça. Il est fâché. Bon, après, je peux comprendre. Hein. Franchement, hein, Guy. En fait, non, je suis un passionné du service client. Et dans le service client, il y a aussi le respect du client. Et c'est peut-être pour ça que je suis bon dans ce que je fais, parce que je suis quelqu'un qui est attentif aux soins du client. Et là, on est tombé sur un hôtel, le fameux hôtel Flamingo. Et en fait, ça vaut pas le coup d'y aller. Fuyez-le, allez ailleurs, parce que... C'est vrai que c'est déplorable. Pour ce prix-là, c'est pas ça, un bon hôtel. Ça ne vaut pas sa réputation. Ouais. C'est sale, c'est vieux, c'est démodé. Ça sent mauvais même. C'est moche. Voilà, on a beau être optimiste, mais en attendant, c'est une réalité. Ouais, c'est ah, ça c'est. Alors, on va aller voir quelque chose de positif. Allez, on va manger. On va aller se manger une salade. Come on,
truc de dingue. Un grand mal. Pour les mauvaises langues qui penseraient qu'on fait tout ça sur fond vert. Hein? Ouais, ben non, il n'y a pas de fond vert. On se démerde bien quand même. Il n'y a pas de fond vert. Des effets spéciaux de malade quand même. Il est 1h30 du matin. C'est bon. N'oublie pas, abonne-toi, parce que si tu t'abonnes, tu sauves un chat de l'écrasement et un bébé ours blanc de l'extermination.